Enfin, une victoire à domicile après deux revers consécutifs sur leur pelouse. Les ACistes la savourent, d'autant plus qu'elle couronne. Deux semaines de travail pour régler quelques lacunes. Une entame de match bien gérée, intensité de jeu, application. Les hommes d'Olivier Pantalone s'affichent d'entrée en patron. Mais les Manceaux, en plein doute dans ce championnat, vont toutefois réussir à sortir la tête de l'eau. Pas assez pour faire douter les ACistes. Les Ajacciens croient leurs efforts récompensés ici, mais le but de Tramogne est refusé pour hors-jeu. Ce n'est que partie remise, l'ACA appuie et cette domination va finir par trouver sa concrétisation avec ce centre-tir de Bayala, idéal avant la pause. Au retour des vestiaires, l'objectif ACiste est clair, se mettre à l'abri rapidement. Les Manceaux ont bien du mal à résister à cette pression. Ils vont finir par céder peu après l'heure de jeu. Courtais pour Coutadeur et ça fait 2-0. Vous savez que c'est une équipe qui joue, qui essaie de jouer, de ressortir les ballons proprement de sa partie de terrain. Donc l'idée c'était de récupérer les ballons le plus haut possible. Pour être le plus proche possible de leur but, tout simplement. 5 buts inscrits, 0 encaissés en 2 matchs. L'ACA démontre sa sérénité dans ce championnat où rien n'est encore joué.